Hey yo tout le monde, c'est UnderXL et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux Lucky Défi. Donc la map est devenue publique, donc je vous mettrai un lien de téléchargement facile et le lien de téléchargement officiel comme je fais d'habitude avec tous mes mods. Par contre je suis en créa, donc on se met, oula, en survival. Par contre faudrait peut-être manger parce que je n'ai plus de nourriture. Oula, ça commence bien. Je n'ai déjà pas beaucoup de chance dès le début. Hop. On se remet en game mode. Oh, j'ai déjà du mal. Ah, ça c'est histoire de sorigène. Vite fait. Donc, le Lucky Block, c'est quoi pour ceux qui n'auraient pas vu vraiment les vidéos d'Hypierre, Fukano et tout ça? Le Lucky Block, c'est un défi mis en place par The Beast Walker réunissant la communauté francophone des youtubeurs Minecraft pour savoir qui de nous sera le plus chanceux. Donc je sens déjà que ce n'est pas moi. Donc ça c'est les crédits, donc il explique que la map originale c'est le Lucky Block Race Map de Lectardo. Et vous voyez normalement l'utilisation élevée de mes performances qui m'ennuie. Ça, décidément. C'est. En plus, j'ai aucun lag, tout va bien. Mais ce n'est pas grave. Il dit que c'est mon capteur de vidéo qui fait bugger. Mais on va le laisser dire. Donc, Redstone Hardcore. Box schématique de Hypierre qui a aussi fait une vidéo là-dessus. Modification du concept Lucky Block par The Beast Walker qui est là-bas. Mode Lucky Block en 1.7.10, Player in Distress. Donc les Lucky Blocks, c'est tous les petits blocs que vous voyez là-bas tout le long. Donc les règles, ne pas poser de blocs, rester en normal sauf cas extrême. On va quand même vérifier. On se met en normal. Casser tous les lucky blocks et même ceux donnés dans les coffres. Restez bien dans les couloirs. Vous pouvez mettre les armures mais pas les crafts. On ne peut pas jeter d'underpearl. Et on ne peut pas casser les blocs mais il faut faire les jumps. Donc j'ai une proposition, c'est de commencer tout de suite. Ouais, Oula. Ah non. Bon allez, tant qu'à faire. Ah, c'est qu'il despawn pas en plus. Va-t'en. Ah. Bon, je n'ai vraiment pas de chance pour commencer cette petite aventure qu'on réalise ensemble. Lucky Villager, hop. Au niveau des jumps, ça va. Là, il y a plein de petits chats. Oh non. Je sens la chance qui monte en nous. Je ne sais pas pourquoi, mais la chance est en nous. On s'est déjà mangé un gros slime qui voulait juste une seule chose, c'était nous tuer. Et il nous a tué deux fois d'ailleurs lui. Ah, tu m'as raté. Ah, d'accord, tout va bien. Bon, il y a Bob qui vient de me tuer, le mini zombie. Je suis le plus gros chanceux. 1 minute 24 et... Bob est toujours là, Bob est toujours là. Non, va-t'en Bob. Bob, va-t'en. Ceux qui s'appellent Bob sont censés être gentils. Et merde. Non. Et Bob m'a retué. Bon, je n'ai vraiment pas de chance pour commencer ce truc. Ça promet dans mes prochaines vidéos, si j'ai autant de chance... En général, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, il y a encore Bob qui m'attend là-bas.
On va le distraire, on va le distraire, vous allez voir. On va l'avoir, la bonne. Aïe. Non. Bien sûr, il a fallu que je me faille encore une fois. Maintenant, Bob pourra venir nous ennuyer. On reste à distance. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Je crois que je suis carrément nul. On va dire ça comme ça parce que là, je ne sais pas ce que je suis. Donc, là, on est très loin, les gars. On est très loin. Ouh, j'ai eu une chance phénoménale sur ce coup-là. Je n'ai pas beaucoup de chance, mais sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Je pleure intérieurement là. Je pleure intérieurement. Vous imaginez, vous avez vu ce qui vient de se passer, quoi. Non, mais laissez tomber. Il y a un trou qui s'est formé sous mes pieds. J'aurais bien voulu l'esquiver, mais c'est bon, Bob n'est plus là. Au cas où on aurait un deuxième Bob. Par contre, un endroit où j'ai eu pas mal de chance, c'est avec ça. Si je ne m'étais pas reculé, eh ben là je me serais bien fait avoir et deux fois que. Ah ouais, c'est vrai, on peut pas casser les blocs. Et vu que ça fait partie des blocs de jump, on ne peut pas les casser. Donc on fait attention au trou. Oula. C'est bon. Oh, là, je suis tendu. Ah, je sens qu'ici, ça va être l'un des pires endroits avec le deuxième qui nous attend. Là là. Vous imaginez pas à quel point je pleure intérieurement. Ah, c'est affreux cet effet de vitesse, je crois. Bon, c'est déjà mieux d'être comme ça. Oh non! Bon, lui, il nous ennuie légèrement. Donc on va essayer de bien le casser. C'est bon. Bon, lui on se l'est fait. Bon. On va essayer de sortir de là plus ou moins en vie. Je n'ai rien dit, je suis mort. Encore une fois. Je vais battre le record du plus longtemps pour traverser cette chose. Franchement, j'en ai déjà marre là, les gars. C'est franchement affreux. Quand je vois toute la chance que je me suis tapé sur tout le long du truc, et je suis déjà à 6 minutes, je crois que le temps le plus nul, il était même pas 6 minutes. Ouh. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai eu légèrement de la chance sur ce coup-là. Non. C'est ça, tombe. Au point où on en est. De l'opsy. Ça m'intéresse par contre. Ça aussi, ça m'intéresse. De toute façon, au point où on en est, on risque plus trop rien. Hop, hop, ça fait toujours un peu plus. Oh non, va-t'en. Oh non.
Elle m'énerve, cette sorcière. Ah, d'accord. Parce qu'elle m'a tué en plus. Oui, bon. Je commence à rager, je voyais la fin, il suffisait de casser deux blocs. Et non, cette sorcière nous a tués. Bon, ça, ce n'est pas de notre faute si ça a pété. Donc, je préfère traverser vraiment à l'arrache. Non, mais j'en ai marre de ces toiles d'araignée. Mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer tout à son aise dans les toiles d'araignée. C'est pas comme si on était déjà dans la merde. On continue à courir, on évite le petit trou qui nous a fait tomber. On saute. J'en ai marre. Pourquoi j'ai décidé de réaliser ce défi? Le qui défie, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus dur au monde. Si c'est là, autant nous aider de ça. Ah, ça va. Et voilà, on a terminé ce petit Lucky Défi. Donc, enfin, petit. C'est pas qu'on est mort je ne sais pas combien de fois là-dedans. Mais on a quand même réussi en 8 minutes 44. Je crois que le plus nul avant moi était de 7 minutes. Donc, je crois que je me suis bien fait avoir sur le Lucky Défi. Sur ce, c'était UnderXL et je vous laisse pour de prochaines vidéos sur Minecraft ou sûrement sur des simulateurs vu que c'est prévu. Et on se retrouve bientôt.